Bonjour, 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 bienvenue sur cette masterclass. Aujourd'hui, mon but, mon objectif pour vous, c'est que vous ayez exactement tout ce que vous devez avoir pour savoir, enfin, tout ce que vous devez savoir pour pouvoir faire bénéficier des fonds de formation, OBCO, CPF, pour l'achat de vos formations à vos clients. Comment faire bénéficier à vos clients, je vais refaire, des OBCO, CPF, fonds de formation pour l'achat de vos formations, accompagnement VAE et BDC. Alors, très important. Cette masterclass, avant qu'on aille trop loin, elle s'adresse aux coachs, aux consultants, aux formateurs indépendants qui vendent des formations professionnelles ou qui comptent en vendre. Okay ? Ce n'est pas destiné aux gens qui souhaitent se faire financer eux-mêmes, obtenir les financements de formation pour leur propre compte. Okay ? Donc, cette masterclass, elle est aussi destinée aux entreprises qui vendent des services, qui sont le plus aptes à vendre aujourd'hui des formations pour former leurs clients. Par exemple, bah, tout ce qui est comptable, beaucoup d'avocats, des choses comme ça. Toutes les sociétés de services aujourd'hui qui peuvent vendre des formations. Alors après, je dis sociétés de services parce que c'est très simple. Mais c'est vrai qu'on a aussi dans nos clients, on a bah, des garages ou des choses comme ça qui bah, justement développent. Par exemple, on a un garage sur Rennes qui développe bah, les formations pour former sur les jantes et comment remettre à neuf des jantes en fait, voilà. Et puis bah, cette formation elle est aussi destinée aux managers et aux dirigeants qui veulent former leurs collaborateurs. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise, que vous avez des salariés, vous pouvez former vos propres salariés. Et puis bah, du coup cette masterclass elle est destinée aussi pour vous parce que ça va vous permettre de savoir quel système vous pouvez mettre en place pour former vos propres salariés. Et enfin, cette masterclass, elle est destinée aux centres de formation qui cherchent la bonne direction à prendre pour pouvoir lancer leur activité, obtenir les financements de formation, pouvoir gérer leurs clients qui leur disent tous les jours « Oui, ben écoutez, moi j'achète que si vous êtes CPF ou j'achète que si vous avez fait si vous êtes Calliope, voilà. » Et quand on ne sait pas par où on doit aller, ce qu'on doit faire exactement, eh bien, ça peut bloquer. Pour un bilan de compétences avec un NDR en attente de Calliope, peut-on avoir accès aux OBCO? Eh bien, Christine, pour alors aux OBCO sans Calliope, pour l'instant, non. Mais alors, par contre, Christine, bilan de compétences, faut absolument que vous alliez vers le CPF parce que c'est vraiment un gros bond en avant que vous allez faire au niveau de votre activité, au niveau de la clientèle, vous allez voir. Parce que, bah, justement, aujourd'hui, il y a un énorme boom des bilans de compétences et que si vous êtes capable d'en faire et que si vous êtes au CPF, vous allez voir, vous allez avoir énormément de clients. Donc, écoutez bien, soyez attentifs à ce qu'on va voir aujourd'hui. Je sais que vous attendez des résultats, que vous voulez avoir du contenu. Donc, on va aller directement droit au but. Aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui. J'ai aidé à créer plusieurs centres de formation, comme le témoignage aujourd'hui de Natacha. J'ai créé mon organisme de formation grâce à vos conseils. Dénicher les meilleurs contrats B2B, B2C. Certifié Calliope depuis peu. J'ai les meilleurs outils pour ma formation en coiffure digitale par vos conseils. Et je suis tellement content de l'avoir fait et d'avoir été jusqu'au bout de mon idée. Donc voilà, ça, c'est des résultats qu'on obtient pour les gens. Et comme ici, par exemple, pour Sébastien, tu es là, tu vois, ton témoignage sert à quelque chose. Quand je t'avais dit de laisser un témoignage anti-haters pour dire aux gens qu'on travaille bien, eh bien voilà, grâce à toi, Sébastien, on a ce témoignage qui prouve que même malgré tout, avec des TDAH, on peut à arriver à obtenir Calliope, même si c'est compliqué, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps qui leur rendent les choses beaucoup plus compliquées. Moi aussi, je suis dyslexique et Calliope, ça s'obtient aussi. Et Sébastien en est la preuve. Alors, avant d'aller trop loin, juste pour les gens qui me découvrent et qui se demandent qui je suis Leandro Lozaïque. Alors, j'ai fait une fac de droit, j'ai fait une fac d'administration économique et sociale. Je suis dirigeant de centre de formation depuis 2010. Je suis certifié Calliope depuis 2015, DataDoc depuis 2015, pardon, certifié Calliope en 2021. Je suis dirigeant du centre de formation Business Mastery, du centre de formation Business Développement je suis un expert en droit de la formation, un expert en processus qualité Calliope et un expert en marketing de la formation. Donc, c'est vraiment des sujets que je maîtrise. Ça fait des années que je suis là-dedans et j'ai débuté. Alors, vous savez, c'est marrant comment j'ai débuté là-dedans. Je me suis exactement installé en 2010 et les premiers mois de mon installation ont été vraiment, vraiment très durs. Et il y avait un coach dans le même bâtiment que j'étais. C'est intéressant parce que bon, il était là, il fonctionnait très bien, tout le monde le respectait, tout le monde allait le voir, il semblait avoir plein de clients. Et un jour, je lui ai demandé, mais comment toi tu fais? Pourquoi toi, tu as plein de clients et pourquoi pas moi? Alors,
la chose, bon, déjà, il y avait tout un processus marketing derrière et commercial. Et donc, il ne faut pas oublier que les choses doivent être toujours corrélées à un processus marketing et commercial. Très important. Mais au-delà de ça, moi qui avais aussi autant de contacts que lui, autant de personnes qui me contactaient avec lui, je me dis, mais pourquoi lui, il signe plus? Et il m'avait dit, bah, écoute, Leandro, c'est normal parce que moi, ce que je fais, c'est que je vends des formations à mes clients et elles sont prises en charge par les fonds de formation. Donc, à l'époque, le FIFPL, l'AGFIS, qui étaient des fonds très prééminents. Il n'y avait pas le CPF à l'époque. Avant, c'était le DIF. Mais là, à cette époque-là, c'était le CPF et l'AGFIS qui étaient les fonds de formation les plus demandés par les entrepreneurs. Et il m'a fait découvrir ça. Et là, il m'a mis en contact avec une personne qui s'est occupée de m'obtenir mon NDA à l'époque, mon numéro de déclaration d'activité, et qui s'est occupée de faire mes premiers dossiers clients. Et alors là, je suis passé de quelqu'un qui avait fait, allez, en 6 mois, 5 000 euros de vente à quelqu'un qui est passé à 60 000 euros d'un coup, uniquement parce qu'en fait, bah, tous les clients avec qui j'étais en contact, eh bien, j'aurais proposé un programme de formation et ils l'ont accepté, ils l'ont validé parce que bah, derrière, il y avait les fonds de formation. Et derrière, bah, ça a continué comme ça pendant quelques années. Mais alors, j'avais mis ça en place en vivotant, c'est-à-dire que j'étais éligible au fonds de formation, je savais très bien comment ça fonctionnait, etc. J'avais fini par ne plus travailler avec le prestataire, je travaillais en direct parce que bah, du coup, ça coûtait moins cher de le faire moi-même, d'avoir mon propre MDA, de faire mes propres dossiers. Et mais je stagnais quand même à une certaine, je stagnais aux alentours de 60 000, 80 000. Et c'était pas suffisant et moi j'avais besoin de plus. Et après c'est là où j'ai appris que bah comment on pouvait obtenir plus de clients avec le marketing. Et je suis passé de 80 000 en 3 mois, je suis passé à 250 000. Et après en 12 mois, je suis passé à 750 000. Et l'année suivante, j'ai dépassé le million. Donc les fonds de formation, Calliope, etc., très important. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de clients, si vous n'avez pas de personnes qui passent vous voir, vous n'avez pas de contact, je veux être très clair avec vous, ça ne sert strictement à rien. L'autre jour, j'étais au salon des micro-entreprises, SME, le salon SME, et des personnes qui sont venues me voir pour me demander ce que j'en pensais, si elles devaient avoir Calliope. Et la première chose que j'aurais demandé, c'est est-ce que vous avez des clients? Est-ce que vous avez déjà des gens en contact avec qui vous travaillez? Est-ce que des gens vous demandent déjà des interventions? Parce que si personne ne vous demande rien, avoir Calliope, c'est pas une vitrine, Calliope. Ça va pas faire venir les gens à vous. Vous êtes dans aucun annuaire spécifique lié à Calliope et les gens ne se déplaceront pas plus pour venir vous voir une fois que vous avez Calliope que quand vous n'avez pas Calliope. Ça, c'est très honnête, très important de le savoir. Par contre, si vous avez déjà des clients, si des gens viennent vous voir, vous demandent des formations, vous avez des contacts, des dossiers qui avancent pas parce que vous n'avez pas Calliope, là, par contre, c'est hyper important de l'avoir. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, l'exemple de Simon. Simon, c'est un client à moi qui est arrivé. Il faisait 250 000 euros par an quand il est arrivé et il n'avait pas son Calliope et il a passé son Calliope. Et de 250 000 euros, il a atteint les 1 million, alors excusez-moi, j'ai un problème avec les zéros, les 1 800 000 euros de chiffre d'affaires après qu'il ait obtenu Calliope. Mais c'est pas parce qu'il a obtenu Calliope qu'il est c'est pas en obtenant Calliope, il n'a pas eu plus de demandes de financement, il en a eu qu'une dizaine dans son année. Et il a décidé d'arrêter Calliope parce qu'il s'est dit, bah, j'ai pas assez de demandes de financement, j'ai pas assez de gens qui me demandent des fonds de formation, donc Calliope, ça vaut pas le coup. Et ensuite, eh ben, il a arrêté Calliope, il a arrêté les fonds de formation et pendant un an, bah, il est redescendu à 200 000. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, pourtant, il avait maintenu son marketing, il avait toujours autant de personnes qui contactaient et ça fonctionnait toujours autant pareil, le marketing, mais il n'avait plus Calliope. Et après, il a obtenu Calliope, il est revenu à Calliope et il est repassé de 200 000 à 1,5 million, il me semble. Alors, peut-être que s'il se connecte, il pourrait me donner le chiffre exact, mais il ne va pas se connecter forcément là. Mais voilà, il est revenu avec Calliope. Et pour autant, il a repris Calliope, mais il n'a pas obtenu plus de clients en financement. Et là, c'est une autre vérité que vous devez savoir, c'est que les financements de formation, c'est ce qui fait venir les gens à vous. Les gens vous contactent parce que vous êtes les fonds de formation existent et ils ont un besoin de ce que vous vendez. Très important, le besoin, ce qui va faire venir les gens et les financements de formation, c'est ce qui va les faire acheter. Mais, troisième point, c'est les seuls 10%, je veux dire 10% à peu près, parce que c'est ce que nous on a, des gens vont jusqu'au bout du financement. Par contre, 100% reste jusqu'au bout du produit. Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que les fonds de formation, il y a un double effet. Il y a l'effet où on se dit, oui, c'est génial, mes gens vont pouvoir acheter parce qu'ils vont être financés, point 1. Mais point 2, il y a plein de gens qui vont acheter, mais qui ne demanderont pas les financements pour autant, mais qui n'auraient jamais acheté chez vous si vous n'aviez pas eu le NDA, le Calliope et les fonds de formation.
Dites-moi dans le chat, ceux qui ont déjà un NDA, un Calliope, si ils ont déjà vu cet effet-là. D'avoir des clients qui viennent et qui viennent parce que vous êtes éligible au fonds de formation, mais au final, ils ne les utilisent pas forcément parce que parce qu'en fait, derrière, ils ont un dossier à envoyer par mail et que ça embête tout le monde. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. En tout cas, bonjour Olivier. Et voilà. Et donc, du coup, c'est de là où moi, mon expertise, elle est partie, de ce coach qui m'a dit qu'il utilisait les fonds de formation et qui a développé son activité grâce à ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à maîtriser le sujet et que je me suis vachement intéressé et développé. Donc, le but pour moi aujourd'hui, c'est trois points. Le premier point, c'est de vous expliquer comment va se dérouler la masterclass pour qu'on sache où on en est et ce qu'on va faire. Deuxième point, c'est de vous expliquer les étapes pour pouvoir utiliser les fonds de formation. Et troisième point, c'est que je vous répondrai à vos questions en live. OK? Donc, très important, préparez déjà vos questions pour tout à l'heure. S'il y a des questions qui arrivent, notez-les dans le chat parce que je n'y répondrai pas tout de suite. Je vais attendre le moment où on a les sessions questions-réponses, mais au moins elles seront notées et on pourra interagir avec. Ne laissez pas des questions passer. Et l'erreur de beaucoup de gens, c'est de se dire « Ah, il vient de dire ça, j'ai une question là-dessus » et de pas la noter, de pas la poser tout de suite et de l'oublier après et après avoir le sentiment qu'on a loupé quelque chose. En tout cas, pour la masterclass, pour vous donner le cadre, ça va durer une heure. Vous avez besoin, vous, d'un ordinateur, d'une connexion Internet et s'il vous plaît, vous avez besoin de bon sens. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver des gens qui amènent leur bon sens avec eux. Vous en avez tous du bon sens et j'ai aucun souci avec ça. C'est juste qu'il faut que vous l'ayez avec vous. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter d'un micro ou d'une webcam parce que aujourd'hui vous n'aurez pas à prendre la parole ni à prendre mettre votre visage. Alors, je vais couper juste ma montre pour qu'elle arrête de sonner et c'est bon. Et ce sera animé par moi aujourd'hui, Léandro Lozaïc, votre formateur, et j'espère que je serai un de vos formateurs préférés, si ce n'est pas le formateur préféré. Donc, n'oubliez pas, en fonction de l'outil que vous utilisez, alors là, c'est une capture de Zoom, mais il y a forcément un endroit où il y a un chat, un endroit pour poser des questions, donc posez-les dès maintenant pour qu'on puisse voir après ensemble. Voilà, je vous ai dit, ça allait assez vite. Et maintenant, on va voir les étapes clés. Et attendez, mais, je vous avais pas mis la diapo quand je parlais de ça. Donc, j'ai parlé de moi, il me semble qu'il y avait la diapo. Après, je vous ai dit, voici les étapes clés, on va voir ça. Et voilà la masterclass, voilà ce qu'il faut que vous sachiez, ça va durer une heure. Et si vous avez des questions, posez-les dès maintenant et on revient. Voilà, on a vu cette première étape de la masterclass et on va voir les points clés pour obtenir les financements. Alors, pour les financements, si vous me le permettez, on va aller chercher une mind map que j'ai préparée pour vous, qui est ici. Et on va la décortiquer et on va la compléter pour que vous compreniez exactement de quoi on parle. Déjà, pour les financements de formation au Pro et CPF, il y a un truc qui est très important, c'est les prérequis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas obtenir les financements de formation. Mais ces prérequis, eh bien, ils ont quelques flexibilités, si on peut dire ça comme ça. Alors, déjà, en premier lieu, vous devez évidemment avoir un numéro de déclaration d'activité qui s'appelle numéro de déclaration d'activité. Et ça, ça se demande à la DRETS de votre région. Alors, ce numéro, il est facile et compliqué à la fois parce qu'il y a des DRETS plus simples et des DRETS plus compliquées. Et vraiment, c'est vraiment aléatoire. Donc ça, c'est un numéro obligatoire pour pouvoir avoir les financements en premier lieu. Ça, pour l'obtenir, condition, et ça, les gens ne font pas gaffe, mais vous devez avoir une entreprise. OK ? Vous devez avoir une entreprise et c'est cette entreprise-là. Alors, attention, entreprise, alors je vais apporter la nuance, entreprise, association, hop, où vous devez avoir une entreprise en nom propre. J'ai appelé ça un nom propre, c'est auto-entreprise, entreprise individuelle, micro-entreprise, auto-entreprise, micro-entreprise. Les entreprises, les entrepreneurs font des différences, alors qu'en fait, dans micro-entreprise, auto-entreprise et entreprise individuelle, il y a toujours le terme entreprise dedans, ce qui fait que forcément, vous adressez, vous êtes, faut avoir une entreprise. Donc ça, c'est le premier point obligatoire. Mais alors, quand je vous parlais de nuances, bien, il y a un truc, c'est que vous pouvez le faire également, très important, vous pouvez faire en portage salarial. Il y a des entreprises de portage salarial qui ont déjà le NDA
et qui ont déjà le Calliope, qui sont déjà inscrits sur Edoff, et il vous suffit de vous inscrire à ces entreprises-là, et du coup, eh bien, vous n'aurez pas à faire ces demandes-là. Alors, après, il y a du pour et du contre dans le portage salarial. Je préfère vous prévenir, attention, c'est pas forcément destiné à tout le monde, le portage salarial. C'est pas forcément la meilleure condition pour tout le monde. Donc, c'est à vous de voir le pour et le contre. Et tout pareil, il y a des gens pour qui créer une entreprise, c'est la meilleure chose, et des gens pour qui créer une association, c'est mieux, et des gens pour créer une micro-entreprise, c'est mieux. Donc, ça dépend de vous, des conditions, de la manière dont vous fonctionnez. J'ai eu des clients qui sont arrivés, qui ont créé une auto-entreprise, qui sont passés après en SARL, qui ont grossi en SAS, comme des clients qui sont arrivés en association et qui sont restés en asso, comme d'autres qui ont commencé en asso et qui ont créé leur auto-entreprise, et comme d'autres qui sont passés par le portage salarial au départ et qui se sont restés pendant 2-3 ans et qui après ont créé leur entreprise. Donc, au final, le point de départ est très peu important et il faut que vous connaissiez cette condition-là. Est-ce que déjà pour vous, ça vous paraît clair sur ce premier point? Dites-moi tout de suite dans le chat si c'est OK pour vous. Comme ça, après, je peux tout de suite passer à la suite et de me dire que l'explication, déjà, je me suis bien fait comprendre. Parce que c'était un point très important. Sans ça, sans le NDA, voilà, c'est le NDA qui est important. Après, la manière dont vous l'obtenez, vous allez soit en faisant la demande vous-même à l'adresse avec votre propre entreprise, soit en ayant un portage salarial. Deuxième étape, merci Marjorie, c'est top. Deuxième étape, vous devez avoir le Calliope. Alors, petite chose, très important, il y a plusieurs Calliope différents, ok? Je vais réagir au message d'Adad. Calliope, c'est du vol. Certificateur bancal. On nous suspend sans raison. On nous redemande de payer après 9 mois de suspension sans aucune raison. Aucun moyen de se plaindre ou très long pour contacter les institutions nécessaires. Mais malheureusement, on nous oblige à l'avoir pour travailler avec des professionnels, car c'est soi-disant un gage de qualité, processus long, coûteux, c'est bien dommage. Alors, Adad, vous avez entièrement raison. Je vais pas passer par quatre chemins. Adad, vous avez totalement raison. Vous avez pas raison. C'est pas du vol. Déjà, je vais pas dire que c'est du vol. Certificateur bancal, je préfère pas me mettre les certificateurs à dos non plus. Il y a un problème dans Calliope. C'est déjà le manque d'homogénéité. C'est-à-dire que d'un certificateur à l'autre, il y a des conditions d'obtention différentes. D'un auditeur à l'autre, dans le même certificateur, il y a des conditions d'audit différentes. Et en fait, c'est un petit bonheur de la chance. C'est-à-dire, est-ce que vous tombez sur le bon certificateur, le bon auditeur? Et après, il y a des méthodes de gestion de certains certificateurs qui sont plus ou moins organisées. Alors, attention, parce que je vais clairement pas dire, les certificateurs Calliope, eux, ne sont pas des voleurs. Très important. Mais tout le monde n'est pas aussi bien organisé qu'il l'aimerait l'être. Et donc, malheureusement, des fois, ça crée des erreurs. Et Adad, apparemment, vous êtes rentré dans une de ces mauvaises cases et qui vous a fait vivre une mauvaise expérience. Mais alors, très important. Et là, je vais réagir à ce dernier point. Est-ce que c'est soi-disant un gage de qualité, soi-disant un gage de qualité, mais Calliope n'est en aucun cas, écoutez-moi bien tous, mais en aucun cas, Calliope n'est une certification de qualité pour dire que vous avez une prestation de qualité. Ça n'a rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, malgré le fait qu'il s'appelle certification qualité, ça n'a rien à voir avec la qualité de la formation et rien à voir avec votre qualité en tant que formateur. Calliope, ça n'a rien à voir avec ça. Calliope, c'est une certification de processus administratif. C'est-à-dire qu'on est là pour certifier que vous avez un processus administratif qui est aux normes et qui respecte les règles de la formation professionnelle. C'est tout. On n'ira jamais dire que ce que vous faites est bien. L'auditeur a interdiction d'évaluer l'aspect légal de ce que vous faites. Okay? Interdiction d'évaluer l'aspect légal, l'auditeur. Très important. D'ailleurs, il y a des indicateurs où l'auditeur n'a carrément pas l'obligation de regarder les documents que vous lui présentez. D'ailleurs, il y a que 2 ou 3 indicateurs où il y a réellement mention légale à faire apparaître. Le reste, il n'y a pas. Donc, techniquement, on peut même passer un audit en présentant que 3 documents dans le fond. Et voilà, pour vous montrer à quel point Calliope n'a rien à voir avec la qualité d'une formation. Et du coup, si les gens pensent que avoir Calliope, c'est pour de la qualité, pour prouver que vous êtes un bon formateur, ça n'a rien à voir avec ça. Malgré tout, la croyance populaire fait que avoir Calliope va vous faire passer dans le côté des gentils et des bons formateurs. Voilà, très important. Donc, c'était pour réagir au message d'Adam. Voilà, très important. Donc, on va voir après les tailleries, les autres questions. Donc, Calliope, il y en a 4. Il y a le Calliope Action de Formation. Non, il n'y en a pas 4, il y en a plusieurs. Il y a le Calliope AF, Action de Formation. Il y a le Calliope Action de Formation Certifiante.
Il y a le Calliope bilan de compétences, il y a le Calliope VAE, il y a le Calliope CFA, il y a le Calliope auto-école. Voilà, ce sont les différents Calliope que vous avez. Et ces deux-là, je vais les mettre sur la même ligne parce que sur le certificat Calliope que vous allez avoir, ça va pas, il va pas distinguer le certifiant, mais en tout cas, vous le devez le déclarer comme si c'était un autre Calliope. Donc, vous devez savoir quelle prestation vous vendez vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous vendez que des formations? Est-ce que vous faites du bilan de compétences, de la VAE, du CFA, de l'auto-école, etc. Donc là, vous devez, après avoir obtenu le numéro de déclaration d'activité, pour être financé par les fonds de formation, vous avez l'obligation d'avoir Calliope. Mais attention, en aucun cas, Calliope n'est là pour dire que vos formations seront financées à coup sûr après. Calliope n'a strictement aucun lien avec la validation des fonds de formation. Il n'y a que les fonds de formation, c'est les organismes de financement qui valident eux-mêmes ou pas qu'ils financent votre formation. OK? Et donc, c'est si vous avez un de ces Calliope-là, ça ne veut pas dire que vos clients seront financés derrière. Très important de bien faire cette nuance. Ensuite, autre point très important, vous ne pouvez, si vous avez le Calliope action de formation, vous ne pouvez pas vendre du bilan de compétences financé. Vous pouvez en vendre, mais ils ne seront pas financés. OK? Donc, le plus important, c'est de bien distinguer quel Calliope vous avez besoin. Parce que voilà, vous faites du bilan de compétences et de l'AF, si vous prenez que le Calliope action de formation, vous ne pourrez pas avoir le financement pour le bilan de compétences. Et alors, bien sûr, si vous voulez avoir tous ces Calliope, il faut que vous sachiez que avoir ce Calliope-là, avoir plus... Alors, vous pouvez cumuler les Calliope, déjà, premier point. Mais les Calliope, par exemple, le Calliope bilan de compétences, VAE, et action de formation, les trois là ne nécessitent pas de coûts supplémentaires ni d'audits supplémentaires pour les passer les trois en même temps. Ok? Donc il y a des gens qui font ah oui, bah, je vais faire le premier, puis je verrai dans 3 mois ou 6 mois pour faire le deuxième. Bah non, faites tout en même temps parce qu'en fait, ça va, ils vont vous facturer à chaque fois un nouvel audit. Alors vous pouvez passer les trois en même temps et ne faire qu'un seul audit et donc qu'une seule facture. Ça fait quand même des sacrées économies. Très important. Mais en tout cas, ça, c'est la deuxième condition. Donc, le Calliope est obligatoire pour les financements, mais n'est pas la gage que vous allez être financé. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK pour vous et que vous avez compris ça? Très important. Le temps que vous me le disiez dans le chat, parce qu'il y a à peu près quelques instants de décalage, je vais juste prendre une gorgée de San Pellegrino. Et voilà. Donc là, déjà ici, on a, alors je vais créer une autre section. OPCO, Pôle emploi, hop, plus FAF, plus région. Hop. OK. Donc, là, en ayant ces deux-là, vous avez 90% des financements disponibles. C'est-à-dire que vous avez les OPCO. Les OPCO, c'est les financements des salariés. Pôle emploi, c'est les financements... Alors, moi, j'appelle ça Pôle emploi. Alors, pardon, on va dire France Travail. J'ai pas envie que cette vidéo ne soit plus temporelle et qu'on me dise hey, « ta vidéo, elle date. Tu parles de Pôle emploi alors qu'on est en 2024. Hein ? Bientôt 2025. Hein ? » France Travail, FAF. Donc, les FAF, c'est les OPCO, mais pour les chefs d'entreprise. OK ? Les financements des régions, parce que les régions ont des financements, et les financements des élus par le biais du CNFPT, et les financements, il y a plein d'autres financements. Vous avez les financements de du milieu hospitalier, que j'ai plus le nom tout de suite, milieu, on va dire un financement médical. Non, parce que médical, ça va faire croire que c'est un peu comme la sécurité, c'est ça, c'est pas du tout le cas, mais c'est les financements des... du personnel médical, on va appeler ça comme ça. Hop. Nickel. En gros, ici, vous avez 90% des financements, vous avez tous les financements, sauf EDOF. Et vous avez le FNE. Alors là, très important, ceux qui ne connaissent pas le financement FNE, quand même, intéressez-vous à ça. Si vous travaillez avec des entreprises, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à mettre en place pour vous. OK? Et aussi les financements appel d'offres.
On pouvait faire des appels d'offres avec ça pour les financements de formation qui nécessitent un appel d'offres. Ensuite, eh bien, après, si vous voulez aller voir les financements CPF, eh bien, vous avez une troisième étape. Alors, j'ai bien vu les questions concernant les VAE. Ici, une fois que vous avez ça, c'est les modes de fonctionnement, de financement. Et ça finance, prestation. Ça va financer, tout comme le CPF, ça va financer les actions de formation, ça va financer les CFA, ça va financer les BDC, les bilans de compétences, les VAE. Voilà, vous pouvez avoir les financements pour ces formations-là, les formations certifiantes également. Voilà, ça va financer, permettre de financer toutes ces actions-là. Et bien derrière, vous avez ce qu'on appelle numéro de déclaration d'activité, vous avez le CPF. Et pour le CPF, il y a une troisième étape. C'est l'étape qu'on appelle EDOF. Là, c'est une étape où vous devez vous inscrire sur la plateforme EDOF du CPF. Alors, EDOF, voilà, si on tape ça, EDOF, c'est le nom de la plateforme mon compte formation, mais version organisme de formation. Et là, il y a une procédure où il faut vous inscrire en trois étapes, qui est d'ailleurs très bien expliquée sur leur site, de ce que vous devez faire. Et donc, c'est une procédure supplémentaire. Si vous ne la faites pas, vous ne pouvez pas être au CPF. Et alors, pour valider cette inscription sur EDOF, soit vous faites partie des formations, ce que moi j'appelle obligatoire. C'est-à-dire, tout simplement VAE. Si vous faites de la VAE, vous pouvez vous inscrire sur EDOF, du bilan de compétences, ou si vous êtes création d'entreprise, voilà, ça fait partie de ces thématiques, et aussi auto-école. Ça fait partie de ces thématiques où il y a toujours l'inscription à faire, les démarches à effectuer, mais il y a des catégories qui sont privilégiées et qui vous permettent d'avoir moins d'éléments à donner. Et alors, la deuxième catégorie pour vous inscrire sur EDOF, là, c'est pour tout ce qui est action de formation non obligatoire. Moi, j'appelle ça non obligatoire entre nous. C'est pas le terme exact, hein, attention. C'est pour gagner du temps sur mon temps de réflexion parce que en même temps que parler et écrire et prêter attention à vous, c'est devient compliqué pour être un seul homme des années 90, des années 85 même, 85. Non obligatoire, bon bah là ça va être les actions de formation certifiantes et ensuite les CFA, voilà aussi. Tout ce qui est de toute façon action de formation, eh bien, vous devez là avoir ce qu'on appelle un certificateur. Alors, une inscription. Hop. RNCP ou un partenariat avec un certificateur. OK? Et là, c'est hyper important pour vous de savoir qu'il faut bien tenir compte de ça, c'est que soit vous êtes vous-même certifiant, c'est-à-dire que votre formation, vous avez fait un dossier, vous avez été accepté au RNCP avec France Compétences. Hop. Voilà, vous avez déposé vous-même un dossier. Ou, eh bien, vous avez noué un partenariat. Ici, deuxième possibilité. Un partenariat avec un certificateur. OK? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous faites des formations management. Eh bien, vous allez aller voir qui fait des formations management chez vous. Et vous allez, par exemple, là, voilà, vous avez des formations management qui sont enregistrées, c'est marqué actif. Et là, voilà, vous avez une formation management qui vous intéresse, que vous aimeriez, qui correspond à ce que vous voulez faire. Manager des talents, c'est par l'entreprise accomplie à qui l'a certifié. Donc, c'est comme une sorte de brevet. Moi, j'apparente ça au brevet. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a déposé le brevet d'une formation. Et maintenant, si vous voulez travailler sur cette formation, ben, vous devez lui payer. Et alors, techniquement, je simplifie le truc. Mais en vérité, vous devez pas le payer. Mais si vous voulez que votre formation soit certifiée, il faut que vous alliez voir cette personne, que vous nouez un partenariat avec elle. Donc, vous donnez la formation et lui, il fait passer l'examen. OK? Et là, c'est là où ça va marcher. Et donc, du coup, vous avez les coordonnées de contact sur la fiche. Et puis, vous allez
le contacter et nouer un partenariat avec lui. Et donc, ça, c'est obligatoire pour pouvoir être sur Edoff. Vous devez avoir soit vous-même la certification, soit avoir un partenariat pour pouvoir vous inscrire sur la plateforme. Est-ce que c'est clair pour vous? À partir de là, une fois que vous avez ces trois démarches-là de fait, eh bien, vous avez éligible à l'entièreté des financements de formation. OK? La première démarche, celle-ci, avec le numéro de NDA et Calliope, et après, la troisième démarche, Edoff. OK? Donc, très important, mettez ça en place. Qui va financer vos clients, du coup, maintenant? Ça, c'est la deuxième étape. Maintenant que ça, c'est en place et que le système est fixé, eh bien, qui va faire financer? Alors, Adad, les certificateurs font payer maintenant et maintenant, ils décident de qui ils prennent. Nous sommes retrouvés bloqués à cette étape pendant 2 ans. En effet, Adad, dans tous les cas, les certificateurs, ils sont contrôlés. Ils ont des contrôles et donc ils veulent pas travailler avec n'importe qui. Et bien sûr qu'ils vont prendre des gens avec qui ils ont confiance. Alors, je dis pas à date que vous êtes pas quelqu'un de confiance. Attention, on ne se connaît pas. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. C'est surtout pour vous dire que c'est pas vous qui décidez. C'est eux qui décident s'ils veulent bosser avec vous ou pas. Donc maintenant, qui va financer vos clients? Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous devez déterminer qui sont vos clients. Et ça, c'est le principal problème des gens. C'est qu'ils ne comprennent pas la distinction des différentes catégories de clients et ce que ça implique. Donc, première catégorie, bah, vous avez les particuliers. C'est-à-dire quelqu'un qui achète alors qu'il n'a pas de travail, ou alors qu'il n'est pas salarié, ou alors qu'il est salarié mais qui n'achète pas par son entreprise. Voilà, c'est quelqu'un qui passe en dehors du système des entreprises. Et donc, lui, bah, son seul moyen de financement, quasiment, c'est que le CPF. Hop, je vais distinguer d'ailleurs les particuliers des demandeurs d'emploi. Ok, donc c'est le CPF. Et donc, si vous voulez travailler avec des particuliers, eh bien, il faut que vous ayez fait ces trois étapes-là, parce que sans ça, ben, vous ne pourrez pas travailler avec les particuliers. Autre étape, hein, c'est les demandeurs d'emploi. Et alors, les demandeurs d'emploi, ici, eh bien, il y a plusieurs manières pour eux d'avoir des financements. Déjà, ils ont le financement du CPF aussi, d'un, mais pas que. Ils ont aussi les financements des agences France Travail. En fait, chaque agence est indépendante et chaque agence a un budget quasiment illimité pour une personne. Alors, je dis bien quasiment parce que, si vous voulez, les agences décident de leur propre politique de financement de formation. C'est eux qui décident qu'est-ce qui va être mis dans les financements, qui va avoir le droit au financement, à quoi et comment. Donc, en fait, même si théoriquement, un demandeur d'emploi peut quasiment passer sa vie en formation grâce à France Travail, théoriquement, ben, techniquement, non, ça va pas être le cas, parce qu'en fait, il va y avoir des garde-fous, des conseillers d'agence qui vont dire oui, qui vont dire non, des règles de financement qui vont être spécifiques par agence, et voilà. Alors, c'est important de dire, au cas où, la moyenne aujourd'hui sur un compte CPF, c'est 2000 à 3000 euros par client, en moyenne. Je dis bien en moyenne, parce qu'en fait, il y a ceux qui ont utilisé leur CPF et ceux qui ne l'ont pas utilisé. Puis n'oubliez pas que vous récupérez du CPF 500 euros tous les ans. Donc voilà, il y a cette moyenne-là qui existe en tout cas. Et donc, quand vous travaillez avec les particuliers, voilà, c'est, vous savez que où les demandeurs d'emploi, en moyenne, la possibilité potentielle par client, c'est entre 2000 et 3000. Les agences pour l'emploi, eh bien, elles financent à un coût horaire maximal de 40 euros de l'heure. Et donc, quand vous faites une formation, eh bien, je vais me sortir ma petite calculette. Quand vous faites une formation de 2 jours, de 14 heures à une personne, ben, vous touchez, hop, pardon, je me suis couré, j'ai mis fois 4 euros au lieu de 40 euros, ben, vous touchez 560 euros. Donc, l'objectif, c'est pas d'avoir une seule personne dans votre formation, mais c'est d'en mettre 10. Et vous remplissez une salle. Et en fait, pendant 2 jours, ben, vous touchez 5600 euros pour 2 jours de formation. Et donc là, ça devient intéressant. Et alors, il y a un autre truc, c'est les financements régions. En fait, là, certaines régions ont des financements, des programmes de formation qui leur permettent de financer des actions de formation à destination de certains publics, et les demandeurs d'emploi en font partie. Donc là, ça dépend des régions. Alors attention, ça dépend, mais vous pouvez raisonnablement partir sur des MAN par personne. Alors, je dis MAN, mais c'est pas forcément le bon terme approprié, des financements en moyenne, attention, de 2000 euros. Alors, je dis bien 2000 euros. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, dans ma région, c'est moins que ça, dans ma région, c'est plus que ça. En final, c'est pas un combat de, voilà, on va dire 1500 euros de moyenne, comme ça, ça satisfait un peu tout le monde.
Donc voilà. Et là, pour obtenir les financements CPF, vous avez compris, ben, il faut aller à la démarche CPF. Pour obtenir les financements agence travail, ben, il faut au minimum, France Travail, il faut au minimum numéro de NDA et Calliope. Si vous voulez les financements région, ben, numéro NDA, Calliope. Très important. Et alors, pour les salariés, eh bien là, il y a très important, il faut distinguer deux choses. Pro et privé. Je distingue ici, parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément fait attention, mais le privé, ça redevient un particulier, un salarié, donc il va passer par le CPF. Mais si c'est dans le cadre professionnel de son entreprise, eh bien, il va avoir les OPCO. Et donc, dans les OPCO, il y a plusieurs fonds de formation différents, en moyenne 5 de formation, et dont le montant varie en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. Donc, plus il y a de salariés dans une entreprise, plus il y a de financement. Et donc, vous pouvez monter des vrais projets avec les entreprises derrière ça, parce qu'en fait, bah, il y a des financements qui peuvent s'intercaler. Alors, les OPCO, ils ont mis en place des conseillers qui permettent d'aider à structurer des projets de formation sur du long terme, de mettre en place des vraies politiques de formation. Donc, là, il y a vraiment des choses à faire. Et alors, il y a un autre truc que les gens ne savent pas. Mais il y a aussi les FNE. C'est les fonds de formation. On va regarder ça. FNE formation. Donc, c'est des fonds de formation, Fonds National de l'Emploi, qui sont des fonds qui sont dirigés, qui ont des politiques en fonction de la politique du gouvernement et des événements actuels. Et donc, ben voilà, il y a des fonds qui sont pour des formations sur la transition écologique, l'alimentaire, la transition numérique, la transition démographique, enfin voilà. Et donc, il y a des ciblages, et en fait, ça change tous les 6 mois à peu près. Je dis bien à peu près, voire tous une fois par an. Et donc, il y a des fonds pour ça, et ça permet de carrément mettre des vrais projets, des grands projets d'entreprise, parce que les budgets sont vraiment, vraiment plus important qu'avec les OPCO. Voilà, très important. Et alors, derrière, très important, je vais parler aussi des salaires, des entrepreneurs. Donc, là, juste ici, vous savez que pour là, les OPCO, bah, c'est juste le NDA et le Calliope que vous avez besoin. OK? Vous avez, pour le CPF, bah, il faudra avoir NDA, Calliope et IDOF. Est-ce que ça vous paraît clair, du coup, de comprendre ces distinctions et de savoir où ça va? Et est-ce que vous voyez l'intérêt? Est-ce que vous comprenez déjà? Premier point. Très important. Non, c'est oui, dites-moi dans le chat. Et alors là, hop, entrepreneur, hop, on va dire TNS. TNS, travailleur non salarié, salarié et actionnaire, on va dire actionnaire. Voilà. Tac. Actionnaire. Les travailleurs non salariés, quand on est entrepreneur, on a 3 possibilités. Soit vous êtes non salarié de votre entreprise et vous prenez des rémunérations. Soit vous êtes salarié de votre entreprise et là vous versez un salaire. Soit vous êtes actionnaire et vous versez des dividendes. OK? Ici, ben, pour les travailleurs non salariés, on a ce qu'on appelle les FAF. C'est des OPCO, mais à destination des chefs d'entreprise. Il y en a 3 ou 4. Bah, du coup, en fonction de à qui vous vous adressez, eh bien, vous avez le FAF en fonction. Très important. Ensuite, bah, les salariés, eh ben, on revient au même système. C'est-à-dire que c'est les OPCO ou le CPF ou le FNE. Et pour les actionnaires, eh bien, malheureusement, eh ben, les actionnaires n'ont aucun fonds de formation parce qu'ils ne cotisent pas aux entreprises. Et donc, du coup, c'est pas que c'est le dernier bout de la carrosse, mais quand vous êtes en SAS, par exemple, SAS, eh bien, vous cotisez pas et donc vous n'avez pas le droit au financement de formation, sauf si vous mettez salarié. Voilà. Très important. Et alors, les associations, ben, elles ont une OPCO aussi, en fait. Très important, les bénévoles d'associations, ils ont aussi des fonds de formation. Alors, je vais le mettre dans la catégorie OPCO, même si c'est pas exactement ça. Mais en fait, les bénévoles obtiennent des financements de formation par rapport à leur engagement citoyen et ça leur permet de se financer des formations aussi. C'est un système un peu complexe que je maîtrise pas personnellement, donc j'éviterai de rentrer trop dans le sujet. Mais voilà. Et alors, dernier point, eh bien les élus. Les élus. Hop. Parce que on va avoir les élus qui vont être qui vont acheter les formations par le biais des OPCO des élus. Alors c'est le CNFPT. Alors, attendez. D'accord, on va distinguer élus et fonctionnaires. Hop, il y a le CNFPT. Tac.
Et pour les élus, c'est un autre système. Il y a le CNFPT, mais il y a un autre système que je vais appeler l'OPCO des élus. Mais vous et moi, on se comprend. Ensuite, bah, s'ils achètent en particulier, bah, il y a un CPF élu. Il faut le savoir, hein, il y a un compte personnel de formation pour les élus qui existe également. Et voilà. Et alors, pour les fonctionnaires, bah, les fonctionnaires, ils ont un OPCO qui s'appelle le CNFPT également. Au-delà des fonctionnaires territoriaux, parce que quand ils sont attachés à une mairie, ben, c'est le fonds de formation de la mairie. Et sinon, ben, en particulier, ils ont le CPF. Donc voilà, maintenant que vous distinguez bien qui a le droit à quoi, eh bien, vous allez comprendre du coup quelle est la situation que vous avez en face de vous. Donc vous savez si il va utiliser les fonds CPF ou les fonds d'OPCO, et ce que vous devez avoir, s'il a que le CPF, numéro de déclaration d'activité Calliope et EDOF. S'il a que les OPCO, c'est le numéro de déclaration d'activité et Calliope. Donc voilà, c'était important pour moi de mettre les points sur les i pour que vous compreniez les différents profils de clients. C'est bon pour vous? Dites-moi si c'est OK pour vous. Et si c'est OK, on va passer au dernier point. Et là, je vois que c'est bon, ça partage l'écran. Tac. Sur comment on obtient les financements. Et les financements, ils s'obtiennent grâce à un protocole qui est tout le temps le même. OK? Et dites-moi si c'est bien clair, si c'est visible pour vous, si le document s'affiche correctement, si vous arrivez à le lire. Alors, c'est peut-être trop grand, là. Tac, là, c'est mieux. Voilà. Parfait. Dites-moi si vous arrivez à le lire, si c'est bon pour vous et si on peut continuer. Je vais juste prendre une petite gorgée. Hop, voilà, parfait. Et je vais réduire ceci. Tac. Donc là, c'est ce qu'on appelle un protocole, un processus de financement. Donc, c'est ce que vous devez faire pour obtenir le financement de vos clients. Alors, je vais mettre certaines parties en gris parce que nous, c'est un protocole qu'on utilise et qui est assez complet, mais peut-être un peu trop complet pour vous. Première étape. Eh bien, vous devez analyser le besoin de vos clients. Et donc, vous devez faire mettre en place un protocole d'analyse de besoin de formation de clients qui va, alors nous, on a créé 3 documents pour ça, mais en vérité, vous pouvez en faire qu'un seul. Vous pouvez les réunir les 3 en un. C'est-à-dire que vous envoyez une information pré-audit à vos clients avec une plaquette de vente, une information de pré-vente. Très important, vous devez annoncer aux clients la manière dont ça fonctionne avant qu'ils signent quoi que ce soit avec vous. Donc, avec une plaquette de vente, et vous devez analyser le besoin. Donc, nous, on a fait un dossier de candidature, et vous devez analyser son niveau actuel pour comprendre, pour créer des classes de niveau, si vous le faites. Et donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, très important, une fois que vous avez validé ces deux étapes-là, vous avez envoyé le dossier de candidature, vous avez les réponses et le test de positionnement, vous allez faire signer un contrat de formation ou une convention. Alors, contrat, c'est quand vous travaillez avec un particulier, en direct. Donc, vous avez vu sur mon tableau précédent, la mind map, qu'est-ce que c'était un particulier, dans quel cadre il rentrait, à quel moment il apparaissait. Donc, vous distinguez bien ce moment-là. Dans votre relation avec le client, c'est de connaître son statut exact ou dans quel statut il se met pour acheter chez vous. Très important. Alors, hop, je vais juste agrandir un peu plus comme ça. Et donc, s'il achète dans le cadre professionnel, ça va être une convention. C'est-à-dire dans le cadre avec... professionnel avec une entreprise. Voilà, très important. Donc ça, vous lui transmettez et il la signe. Et très important. Ensuite, une fois que c'est validé, ça, alors c'est pas noté là-dessus parce que nous on le savait, mais avant la formation inscription, il y a un délai de rétractation de 14 jours. Très important, votre formation ne peut pas commencer 14 jours avant pendant. Alors, une fois qu'il a signé son contrat, la formation, elle doit commencer que 14 jours après pour respecter un délai de rétractation. Très important. Surtout avec le CPF. Moins avec les chefs d'entreprise, mais en tout cas, voilà. Dès le moment où vous travaillez des particuliers et des salariés, vous devez avoir ce délai de 14 jours. Une fois que c'est fait, vous envoyez une convocation à la formation avec un livret d'accueil. Donc ça peut être le même document aussi. Hein. Et si vous êtes sur Internet, si vous faites une formation en ligne, vous envoyez un lien de connexion par mail. Donc ça peut être un seul et unique document, vous voyez. Donc là, on est sur un document, ça fait 3 documents, ok, avant
le début de la formation. Et après, ben, y a la formation qui commence. Voilà. Donc, pour l'information, il faut que vous lui transmettiez les supports de cours, que vous fassiez une évaluation de formation. Et alors ça, pareil, ça vous avez, c'est un truc de Calliope, mais dans les faits, c'est rarement utilisé. C'est quand il y a quelqu'un qui se plaint et que vous devez le noter. Donc là, c'est deux documents différents, donc c'est 5 documents, ok. Ici, une fois que c'est terminé, vous faites une évaluation de fin de formation et un questionnaire de satisfaction de vos clients. Et alors, hop, ça pareil, ce truc-là, je le mets, mais ça fait 5, 6 et 7 documents. Donc voilà, évaluation de fin de formation. Donc vous faites une évaluation pour savoir s'il a acquis les compétences que vous étiez censé lui transmettre durant la formation. Et après, ben, vous le mesurez sa satisfaction. Et voilà, à partir de là, avec ces 7 documents, eh bien, c'est un ordre. C'est-à-dire que c'est dans le même ordre, c'est-à-dire que vous allez transmettre ces documents à vos clients. Ça, c'est pour vous. Vous le gardez au cas où vous avez un contrôle. Ce document-là, vous allez le transmettre à signer à vos clients. Donc le client va le signer. OK. Et hop. Ce document, c'est votre client qui va le transmettre à son organisme de financeur. Donc, soit Pôle emploi, soit la région, soit les OPCO, ou soit les FAF, soit son association, voilà. Bon, peu importe qui est l'organisme, tout sauf le CPF. OK ? Pour tout le monde, votre client transmet cette convention au plus tard 14 jours avant le début de la formation. Et au mieux, un mois avant le début de la formation. Donc, c'est votre client qui fait la démarche, et même pas vous. Très important, vous ne faites pas la démarche de financement pour votre client. Par contre, votre client va vous dire, bah oui, mais à qui je demande le financement? Ben là, du coup, vous allez déjà terminer sa situation professionnelle pour savoir dans quel cas il rentre. Et donc, qui va s'occuper de lui? Si c'est une OPCO, un CPF, un FAF. Et en fait, bah par exemple, vous avez un client, elle est assistante maternelle, OPCO, assistante maternelle, boum, et oh, bah, assistante maternelle, OPCO, UP. Ah ben, c'est pas mal ça. Et donc, on a trouvé l'OPCO des assistantes maternelles. Bah, maintenant, je choisis, tac, on va aller voir les financements, prestataires de formation. Bah, on va aller dans la catégorie entreprise, parce qu'en fait, ils ne le disent pas pour les prestataires de formation. Et en fait, dans la catégorie d'entreprise, financer mes projets. Et ça, tous les sites d'OPCO ont ça. Et en fait, bah, tout simplement, vous allez voir quelles sont les catégories de formation dans lesquelles vous allez. Consultez les critères financement selon votre secteur d'activité. Je prends au hasard. Allez, avocat salarié. Je prends le premier qui vient. Critères. Et voilà. Et là, il y a tous les types de financement possibles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 types de financement possibles. Donc là, on va prendre le financement le plus classique. Ah bah voilà, durée maximale de prise en charge 21 heures, coût horaire 50 euros, pour les entreprises de moins de salariés, de 11 salariés, tel montant. Et, voilà. Et en fait, vous avez tous les montants de prise en charge de vos clients sur les sites des organismes de financement. Et tout comme l'OPCO, le CPF, c'est affiché sur le site de votre client aussi, de son client, lui, il peut le voir. Sur le site des FAF, par exemple, votre entrepreneur, c'est un coach, eh ben, ils sont au FIFPL. Alors, vous pouvez aussi taper OPCO code NAF. Et en fait, il y a plein d'outils qui vous disent quel est l'OPCO. APE, quel est mon OPCO, par exemple, tac. Bon, ben, voilà, j'habite dans le 35. 70 22Z par exemple, et ben qui sait, hop, cette sous-classe qu'on prend, nanana, ok, et ok, on fait suivant. Ah ouais, voilà, bon, là c'est pour trouver pour les salariés. Donc, bon, si je suis tout la démarche, il faudrait avoir le salarié, il a toutes ses infos sur sa fiche de paye. Et donc, bon, bah voilà, j'en prends une OPCO, FIFPL, et bien pour le FIFPL, profession libérale. Critères. Donc, par exemple, je prends celui-là que j'ai pris, 7022Z. Donc, ça, votre client, il le sait, lui. Vous lui demandez son code APE. Et vous allez sur le site du financeur, tout simplement. Et vous voyez les montants. Voilà. Le montant de prise en charge qui change tous les ans et qui change des fois durant l'année. Tout est affiché, tout est documenté. Et vous savez exactement quels sont les coûts et les prises en charge pour vos clients. Parce que c'est totalement affiché.
Donc, bah, maintenant que vous savez les montants pris en charge, même à l'avance, j'ai envie de dire, eh bien, vous savez, bah, du coup, ce que vous devez faire. Donc, dans tous les cas, il est strictement obligatoire de faire signer une convention de formation. C'est obligatoire, ou un contrat de formation. Et c'est ce document que vos clients vont envoyer à leur organisme de financement et qui va faire la prise en charge. Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant pour vous? Est-ce que ça y est, vous comprenez comment ça fonctionne? Vous faites signer ce document et voilà. Alors, oui, Christine, il y a des organismes qui s'occupent de faire le financement pour leurs clients. Ok, c'est vrai, ça existe. Et j'espère que les organismes qui font ça font signer des procurations à leurs clients. Procuration, financement, OPCO. OK. Parce qu'en fait, il est légalement interdit de s'occuper des financements pour vos clients quand vous êtes un organisme de formation si vous n'avez pas de procuration pour ça. Parce que ça s'appelle du détournement de fonds de formation. Alors, je vous le dis parce que j'ai vu des rapports d'audit de contrôle de la DRET. S'ils voient que vous occupez des financements, ils vous mettent tout de suite dans la catégorie détournement de fonds de formation. Même si c'est pour aider, vous n'avez pas le droit d'aider. Voilà. Donc, si vous connaissez des organismes, Christine, qui font ça sans faire signer de procuration, eh bien, en cas de contrôle, ils vont avoir des problèmes. Mais voilà. Donc, on a le contrat, la convention, et on l'envoie, et le client l'envoie à son organisme, et il attend 14 jours. Alors, idéalement, 30 jours avant, au minimum 30 jours avant le début de la formation, dans l'idéal, pour avoir l'accord de financement ou pas avant le début. OK? Et dans le cadre du CPF, bah, dans le cadre du CPF, si vous êtes inscrit au CPF, eh bien, votre client, il va aller sur mon compte formation. Et vous, quand vous avez créé une action sur le CPF, bah, on va vous donner un lien. Et en fait, ça va donner le lien directement de la fiche formation. Alors, bougez pas, pour une formation management en présentiel, aux alentours de Paris, dans les 8e des kilomètres. On va en avoir plein. Voilà, je prends n'importe lequel. En fait, vous voyez, il y a un lien unique de cette offre. Et en fait, le centre de formation, quand vous êtes inscrit au CPF, vous avez ce lien direct en fait qui vous est donné. Et vous l'envoyez directement à votre client pour ne pas qu'il ait à faire la recherche sur le site Mon Compte Formation. Parce que le site Mon Compte Formation, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pour l'instant, à la date, pas encore un annuaire précis des prestations de formation disponibles. Parce qu'en fait, pour l'instant, il les classe de manière aléatoire. Okay, donc, un client qui vous cherche et vous êtes 1000 centres pour poser le management, il va pas vous trouver, à moins qu'un gros coup de chance. Mais donc, voilà, vous lui donnez le lien de votre fiche de formation et aide au financement. La formation, il a le prix, il a toutes les informations pratiques et obligatoires. Et ben, il se connecte à son compte et derrière, une fois qu'il est connecté, il y a le bouton s'inscrire qui apparaît. Et s'inscrire, ben, ça lui permet du coup, derrière, de pouvoir s'inscrire à la formation et de payer directement. Donc voilà, et vous, de votre côté, sur votre propre compte CPF, ben vous aurez une nouvelle inscription qu'il faudra valider, parce que vous devez valider les inscriptions manuellement. Et voilà, et grâce à ça, boum, vous avez vos clients. Et vous suivez ce protocole, étape 1, analyse du besoin, vous faites un seul document que vous regroupez ces trois éléments-là, vous faites le contrat de formation ou la convention, vous faites la convocation avec l'envoi d'un livret d'accueil pour expliquer comment va se dérouler la formation. Donc on est à 4. On est à 3. Et après, support de formation, évaluation que vous donnez, donc ça, c'est pour respecter la loi. Vous faites une évaluation de fin de formation, ça, c'est pour respecter la loi. Un questionnaire de satisfaction, ça, c'est pour respecter la loi. Et alors, il y a un dernier document que les OPCO et les organismes vont vous demander, qui n'est pas là, mais c'est le certificat de formation. Vous devez transmettre le certificat de formation. Alors, dans certains cas, les OPCO le réclament, et dans d'autres, ils demandent une attestation de formation et de paiement. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez, vous, en tant qu'organisme de formation, attester que vous avez accueilli une personne, que vous l'avez formée et qu'elle vous a payé pour que elle puisse, elle, se faire rembourser si elle a fait l'avance de fonds
Ou alors, si elle n'a pas fait l'avance de fonds, eh bien, vous devez remplir un, moi, je vais l'appeler comme ça, un formulaire de paiement. Alors, en fait, quand vous avez les gens qui ne payent pas, mais que c'est l'organisme de financement qui vous paye en direct, eh bien, on va vous demander de remplir un formulaire pour se faire payer. Un formulaire qui va vous faire payer à 30 jours en moyenne. D'ailleurs, c'est une moyenne parce qu'en fait, en vérité, ça peut être très, beaucoup plus long. C'est pour la raison pour laquelle je ne vous recommande pas de vous faire payer par les organismes de financement, mais de vous faire payer en direct. OK? Et alors, très important dans le paiement des organismes de financement, on va aller ici. Hop, protocole financement. CPF, obligatoirement subrogation. C'est-à-dire que obligatoirement, c'est eux qui vous payent à 30 jours. Fin de formation plus facturation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre formation, il faut que vous la facturiez et ils vous payent à 30 jours à partir du moment où ils auront reçu la facture. Très, très, très important. Deuxième point, et le deuxième truc, c'est les tout le reste. Le reste. Donc, il y en a, ils vont vous proposer pour salariés plus demandeurs d'emploi. Il vous laisse le choix. Soit vous choisissez la subrogation, comme pour le CPF, soit c'est le remboursement au client. Donc le client vous paye, c'est lui qui se fait rembourser. Et je vous recommande fortement de prendre cette deuxième solution parce que je suis désolé pour les clients, mais si vous imaginez que vous formez 100 personnes et que vous avez 100 facture dans la nature avec un paiement entre 30 et 60 jours et que vous êtes juste au niveau financier, 100 personnes, c'est une entreprise qui est impactée. Alors que si vous avez une entreprise qui est impactée. Mais ici, si les clients vous payent et se font rembourser, ben vous avez de la trésorerie, vous pouvez continuer à fonctionner. Mais les gens, c'est de manière individuelle qu'ils vont avoir ce remboursement. Vous les prévenez, bien sûr, que ça peut mettre entre 30 et 60 jours. Et donc, eux, ils sauront prendre leur propre disposition, mais ils n'auront pas, eux, 100 factures dehors. Est-ce que vous voyez? Mathématiquement, eux, ils n'auront qu'une fois de l'argent dehors. Contrairement à vous, vous aurez 100 factures à l'extérieur. Donc, c'est plus facile à gérer pour quelqu'un de savoir qu'il va se rembourser entre 30 et 60 jours sur un paiement plutôt que de lui dire, bah non, vous avez 100 paiements, vous serez payé quand on voudra. Donc, voilà. Et alors, pour le Pôle emploi... Alors, attendez, j'aurais dû faire ça. Subrogation. Et donc, en subrogation, il y a le CPF. Il y a France Travail. Hop. Et le paiement en direct. Remboursement client. Donc, salarié et chef d'entreprise, on va dire ça, entrepreneur, mince. Attends, je vais réfléchir à la manière la plus simple. En fait, les OPCO vous proposent de la subrogation, et les OPCO vous proposent aussi du paiement au remboursement client, et les FAF pour les entrepreneurs vous payent en direct, il n'y a pas de subrogation possible, c'est-à-dire que c'est vous qui vous êtes payé par votre client et votre client se fait forcément rembourser. Donc voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que j'ai éclairci ce point-là? Dites-moi tout dans le chat. Ça a été un vrai exercice de vous simplifier la question. Hop, je vais quitter ma diapo. Hop, tac. Et j'espère que pour vous, tout de suite, vous savez, bon, ok, maintenant je sais ce que je dois faire. ADA, Calliope, EDOF, et ok, maintenant il faut que j'envoie une convention de formation à chaque fois à mon client. Ça me paraît clair. Voici les documents que je vais envoyer. Ça me paraît clair. Et c'est le client qui fait la démarche. Ça me paraît clair. Sauf si il veut que je fasse la démarche pour lui. Donc je fais signer une procuration. Et cette procuration me permettra de ne pas avoir de problème en cas de contrôle de l'adresse. Est-ce que on est bon? On est bon. Sébastien, merci. Isabelle, au top. Merci. Eh bien, c'est pas mal. Donc, vous avez vu les étapes et toutes ces étapes, elles ont toutes un point commun. Vous le savez. C'est qu'elles sont toutes basées sur ce qu'on appelle le résultat. C'est-à-dire que quand vous faites une étape,
eh bien, vous obtenez forcément quelque chose derrière. Et à vous, bah, ça vous en apporte davantage parce que ça va vous apporter plus de ventes. Et surtout, pour vous, il y a un point qui est important dans tout ça, c'est le temps. Le temps de gérer tout ça. Et il n'est pas possible aujourd'hui d'avoir plus de temps dans votre journée pour gérer tout ça. C'est-à-dire que vous avez tout ce que vous avez à faire, vous avez les dossiers à mettre et créer le dossier NDA, obtenir Calliope. Alors, ça, c'est intéressant, mais je n'ai pas parlé juste du délai ici. Numéro de NDA en délai, ça prend 5 jours pour faire le dossier. Hop, alors attendez. Tac. Qu'est-ce que c'est que ça? Dossier 5 jours, accord. Ils ont légalement 30 jours pour vous répondre. Le dossier Calliope. Délai de création de dossier. Alors nous, on a l'habitude de dire 15 jours. Et l'audit. Vous avez en moyenne un audit sous 15 à 20 jours. Et après l'audit, il faut attendre 15 jours pour obtenir la certification. Voilà. Et après, pour Edof, eh ben, pour Edof, délai, pour Edof, il y a plusieurs étapes très importantes. Étape 1, c'est un formulaire à remplir. Ce formulaire, ça prend 5 minutes. Et le temps de réponse en moyenne est de 15 jours. Étape 2, on vous demande d'envoyer des documents. Donc, en moyenne, 15 jours après, on vous donne 10 jours pour donner les documents. Et après, il y a un temps de relecture qui est souvent de 30 jours. Voilà. Et ensuite, une fois que cette étape 2 est passée, il y a une étape 3. Mince. L'étape 3, vous avez 10 jours pour regarder une vidéo de formation sur le CPF. Et après, il y a un mois. J'allais dire un mois. Alors, je veux dire 30 jours, mais c'est souvent moins. Pour obtenir la réponse et l'accord. Donc là, on est sur quand même quasiment 3 mois quasiment pour le CPF, alors que pour le numéro de déclaration d'activité, on est sur 30 jours. Le Calliope, on est sur 20 plus 15. En fait, ça, c'est juste dans le temps, là. Vous pouvez cumuler les deux. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les 20 jours que vous attendez, vous avez 20 jours pour préparer votre dossier. Voilà. Et donc, ça, c'est du temps que ça vous prend à le créer. Et c'est pourquoi vous devez maximiser votre temps et que vous devez chercher à optimiser les choses. Et le moyen le plus simple d'y parvenir, c'est de réduire le temps nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs. Okay? Vous devez réduire le temps nécessaire. Alors, la question, c'est de savoir si aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne pour obtenir le NDA, si vous l'avez pas. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment fonctionne le processus qualité pour obtenir Calliope, le temps que ça prend d'apprendre ce processus qualité? Est-ce que vous avez aujourd'hui tous les documents nécessaires pour vous inscrire sur Edof, sur l'espace Edof du CPF, ou est-ce qu'il faut prendre le temps de les écrire en plus, de connaître les documents et de les créer en plus? Est-ce que vous savez ce qu'il faut donner, quels sont les résultats, qu'est-ce qui donne du résultat dans votre secteur d'activité afin d'éviter le travail superflu? Tout ça, c'est des questions aujourd'hui qu'il faut vous poser sur la mise en place de ça, sur l'optimisation de votre temps. Ok, on parle d'optimisation de votre temps. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment gérer vos clients Calliope uniquement à l'aide d'automatisation? Comment on peut automatiser tout le boulot? Comment on peut faire pour qu'un client, ce ne soit que 30 secondes de travail? Ok? Est-ce que vous savez où trouver des assistants pour vous aider à gérer tous ces financements pour vos clients et qui vont vous coûter à 2 à 3 euros de l'heure, par exemple? Ok? Attention, je dis pas qu'il faut sous-payer les gens. C'est juste qu'il y a des assistants dans d'autres régions qui permettent des coûts très, très bas. Et si vous en trouvez un, est-ce que vous savez qu'est-ce que l'assistant va devoir faire? Est-ce que vous arriverez à le former, etc.? Est-ce que vous avez aujourd'hui quelqu'un qui peut vous donner des conseils, quelqu'un que vous pouvez aller chercher pour obtenir des conseils, qui est exactement là où vous êtes maintenant et qui est exactement là où vous voulez être? Ok? Qui a été exactement là où vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire sans NDA, sans Calliope, sans Edof, et quelqu'un qui est aujourd'hui, à date,
à l'endroit où vous voulez être, qui a le NDA, qui a le PIDOF, qui sait le faire. Et si vous ne savez pas faire certaines de ces choses qu'on vient de voir, bah en fait, il est hyper important de trouver quelqu'un qui les connaît afin de maximiser votre temps, optimiser votre temps et vos résultats. Et il y a beaucoup d'informations autour de vous aujourd'hui sur qu'est-ce qu'il faut faire, beaucoup de choses qu'on vous recommande de faire. Donc, je vous recommande aujourd'hui, moi, de chercher quelqu'un qui est capable de vous aider et quelqu'un à qui vous pouvez vous identifier. Quelqu'un avec des centaines de témoignages étudiants et une communauté qui est vraiment croissante, une communauté de personnes qui est en Calliope croissante, qui est engagée, comme nous aujourd'hui, comme ce qu'on a fait pour Nala. Si vous avez besoin de gagner du temps, d'être efficace, vous êtes seul, alors Léandro est votre homme. Alors, j'avais pas lu la dernière phrase, Léandro est votre homme. Du coup, voilà, comme le témoignage de Nala. Donc, si vous êtes intéressé aujourd'hui pour devenir un formateur indépendant en créant un centre de formation Calliope, éligible aux OPCO, éligible au CPF, et que vous ayez toutes les procédures, que vous sachiez exactement quoi faire, quand le faire, comment le faire, et que vous ne soyez pas perdu dans ce qu'il y a à faire, et que quelqu'un vous protège votre activité parce qu'il va savoir exactement vous dire, bah non, mais faites pas ça, il y a des risques à faire ça, il y a des risques, il y a des amendes si vous faites ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça de cette façon, voilà, quelqu'un qui soit vraiment là. Alors, pourquoi ne pas prendre quelqu'un qui a obtenu plus de résultats prouvés que n'importe qui d'autre dans le domaine? Donc, voici comment ça se passe, comment ça va se passer. Nous, on a libéré du temps dans notre agenda, dans mon agenda, pour que on puisse discuter de l'état actuel de votre entreprise. Entreprise non pas structure physique, mais entreprise dans le sens l'action, le fait d'entreprendre, le fait d'être un entrepreneur, le fait de créer un centre de formation. On va faire le point. L'appel va rien vous coûter, c'est 100% gratuit, et je vais pas essayer de vous vendre quelque chose de manière agressive derrière. Ok ? Le but de l'appel, clairement, est de déterminer si vous êtes, si vous êtes en capacité ou quelles sont les étapes, les obstacles courants que nous pouvons observer et que nous avons observé chez les autres, qu'on pourrait retrouver chez vous et qu'on pourrait vous éviter de recommettre, de chuter sur ces différents obstacles, de recommettre les mêmes erreurs en fait. Donc le but, c'est de revoir votre programme de formation, ce que vous avez prévu de former, de voir la structure de votre entreprise, si elle est vraiment optimisée, de voir si vous voulez des sous-traitants ou si vous êtes sous-traitant, si vous voulez des clients, comment ça se gère avec les clients, quelles sont les étapes. Alors, voilà, on va reprendre tous les points de la création d'un centre de formation avec vous. On va vérifier ce qui peut être optimisé, ce qui est optimisé, comment faire les choses, et on va faire le point avec vous. Et une fois qu'on aura identifié les obstacles qui vous empêchent aujourd'hui d'obtenir les financements de formation, d'obtenir le NDA, d'obtenir la Calliope, de vous lancer, on va fournir une feuille de route avec ça, avec vous, qui va vous permettre de les résoudre. Ok ? Et ça n'inclut pas toujours de travailler avec nous. Et en fait, souvent le cas, plus probable en tout cas, c'est que vous ne travaillez pas avec nous. Des fois, nous ne sommes pas la solution, et dans la majorité des cas, nous ne sommes pas la solution. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc, si vous êtes en position de voir des résultats immédiats en travaillant avec nous, eh bien, nous, on vous montrera dans ce cas-là comment nous, on peut vous aider. Si vous voyez qu'on peut vous apporter des résultats, ok ? Comme on l'a fait aujourd'hui pour Nathalie Goubert, nouvelle organisme de formation montée, obtenu Calliope, audit initial passé aujourd'hui avec une obtention de certification Calliope, quelle joie, un grand bravo à l'équipe. Et pour ça, ben bien sûr, nous demandons un investissement pour travailler avec nous, mais cet investissement, il va être facile pour vous de le récupérer en quelques jours, derrière, après avoir vendu vos premières formations financées par les fonds de formation. Tout comme pour Francis Maillet, une nouvelle page vient de s'ouvrir pour moi dans la formation professionnelle, ce qui aura un impact, un accroissement de mon activité au sein de mon entreprise. Voilà, directement, les gens le voient, l'impact, il est direct. Comme pour Sabrina, par exemple, tout simplement un grand merci. Il a su me rassurer, me coacher. J'ai obtenu mon Calliope ce matin. Je suis tellement heureuse de pouvoir avancer professionnellement. Sachez que moi, j'ai dépensé des milliers d'euros et des milliers d'heures à investir pour mettre au point le système que nous, on utilise aujourd'hui. Okay. On a passé beaucoup de temps avec beaucoup d'erreurs. Vraiment beaucoup d'erreurs. Et on est arrivé à un stade où on maîtrise vraiment le sujet. On a la confiance de certificateur Calliope reconnu et réputé. Et donc, quand vous venez avec nous, vous arrivez avec un système qui marche de bout en bout. C'est-à-dire du moment où vous avez l'idée du projet jusqu'au moment où le projet est sorti final, où vous avez toutes vos certifs et où vous êtes prêt à vendre, en fait. Et nous voulons travailler, nous, en tout cas, avec des personnes qui sont investies pour obtenir des réels résultats. C'est-à-dire que ne prenez pas rendez-vous avec nous si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'idée de monter
un vrai travail pour vous, une vraie entreprise, de monter quelque chose qui va vous faire vivre, qui va vous permettre de kiffer votre travail. J'aime pas tant kiffer parce que c'est pas ma génération encore. Je suis né un peu trop tôt pour ce terme-là, mais quelque chose qui vous permet de vraiment adorer ce que vous faites et vous êtes prêt à vous investir pour aller au bout de cette démarche pour devenir formateur. Alors, pour qui est-ce? Très important de vous demander si c'est fait pour vous. Si notre accompagnement, si cet appel que je vais vous proposer est fait pour vous. Déjà, c'est pour les entrepreneurs qui génèrent actuellement des revenus et des ventes. Comme je vous l'ai dit au tout début, obtenir Calliope si vous n'avez aucune vente, si vous n'avez personne qui vous contacte, ça ne sert à rien. Calliope ne vous ramènera pas plus de clients. Okay? Donc, un entrepreneur qui a déjà des contacts, des gens qui sont en attente, des gens qui veulent l'acheter, ben c'est important. C'est pour les personnes ordinaires qui souhaitent devenir formateur indépendant. N'importe qui, techniquement, aujourd'hui, peut devenir un formateur indépendant. Légalement, vous pouvez tous le devenir. Donc, l'objectif, c'est de vouloir l'être. Okay? Ne prenez pas rendez-vous si votre objectif, c'est de connaître les financements de formation pour acheter vous-même une formation. Non, l'objectif du rendez-vous, c'est pour vraiment vous amener à créer votre activité de formateur indépendant. C'est pour les personnes qui savent qu'elles sont bonnes dans ce qu'elles font. Okay? Il faut que vous ayez du bon sens et de la confiance en vous pour ne pas être bloqué. Le pire problème que l'on rencontre chez les gens, c'est le manque de confiance en eux. C'est ce qui les empêche d'avancer. Et parce que même si vous n'avez pas confiance en vous, moi, je peux vous emmener jusqu'au bout. Mais vous emmener jusqu'au bout sans confiance en vous, ça ne sert à rien parce que vous n'obtiendrez aucun résultat après. Et ça, c'est très important. OK? Et surtout que vous ayez cette croyance que vous pouvez dominer le marché, que vous pouvez apporter quelque chose de différent et former des centaines de personnes tous les ans, ok? Parce que si vous n'avez pas cette vision-là, vous n'irez jamais jusqu'au bout, ok? C'est très important parce que le nombre de personnes qui baissent les bras une fois qu'ils se sont lancés parce qu'ils ont rencontré un problème, il est impressionnant ce nombre de personnes-là. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire le point dès à présent. Et c'est aussi pour les personnes qui aiment vraiment aider les autres et valorisent les résultats avant tout. C'est-à-dire que leur objectif, c'est d'obtenir du résultat. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une de nos clientes, Alexia Iwan, avec qui on a travaillé. On a obtenu son Calliope et on lui a obtenu son Calliope. Elle a obtenu des résultats derrière. Et en fait, on a discuté pendant 10 minutes et on parlait que des résultats, des bénéfices, sans parler du stress que ça peut lui causer éventuellement parce que voilà, il y avait des petites choses ou de ce qu'elle fait aujourd'hui. Non. Vous valorisez les résultats, c'est important pour avoir une bonne croissance dans une entreprise, c'est de la vision. En fait, vous voyez, je parle de vision. Les personnes donc qui savent qu'elles doivent se lancer pleinement dans leur projet et faire le travail nécessaire pour y arriver. Parce que les gens qui se lancent et qui pensent qu'on va tout faire pour eux, c'est techniquement possible. Oui, je peux faire tout pour vous sans que vous m'ayez adressé la parole. Voilà, c'est pas du tout ce que je recommande, même si c'est possible. Et sachez que si vous venez dans cet état d'esprit, malheureusement, on ne travaillera pas avec vous. Mais je souligne que c'est possible uniquement parce qu'en fait, c'est pour vous montrer le fonctionnement du système, ok? Mais au-delà de ça, nous, ce qu'on veut, c'est les gens qui se lancent et qui prennent leur projet en main. Très important. Donc, si ça vous ressemble, si vous ressemblez à ces personnes-là, réservez un appel dès maintenant avec mon équipe. Et sachez que, en raison des disponibilités qu'il y a pour la fin de l'année, aujourd'hui, pour obtenir Calliope, les dates de rendez-vous, elles commencent à s'éloigner. Donc, nous, on fait en sorte de pouvoir négocier les dates au plus tôt pour vous. Si vous, c'est un projet à court terme, allez-y dès maintenant. On a des places limitées pour des audits Calliope encore. On vient nous confirmer qu'on nous libérait quelques places, qu'on nous mettait un nouvel auditeur sur le secteur pour Calliope. Donc, on peut encore vous obtenir Calliope. Donc, c'est clair que moi, aujourd'hui, j'ai vu trop de coachs, j'ai vu beaucoup de gourous créer une entreprise, en tirer quelques milliers d'euros, puis la faire échouer en essayant de vendre à d'autres personnes un fantasme de l'avenir que ça pourrait leur apporter parce que ils ont trouvé de la nouvelle source de revenus. Alors qu'aujourd'hui, moi, je vous parle de formation et vraiment d'un système de formation qui existe depuis très longtemps, qui est, j'ai envie de vous dire, la formation, on la connaît depuis le Moyen-Âge, en fait. Aujourd'hui, si on est là, si on sait tout ce qu'on sait, si vous savez tout ce que vous avez, si vous maîtrisez l'informatique, si vous arrivez à vous connecter sur Internet, c'est parce qu'il y a des gens qui sont formés au quotidien et des gens qui ont formé d'autres personnes au quotidien. Donc, on parle d'un système qui est séculaire, en fait, et donc pas d'une nouvelle source de revenus magique qui va vous faire gagner de l'argent. Je déteste voir des relations qui sont ruinées et des vies gâchées parce que tout le monde vous dit de travailler plus dur, pas plus intelligemment. Non, il faut travailler plus dur. Non, aujourd'hui, on est là sur... On va travailler intelligemment, on va faire de l'optimisation de temps, l'optimisation de processus. On va aller vraiment chercher l'optimisation. Comme ici, je remercie Leandro pour sa formation, son accompagnement qui m'ont permis d'avoir Calliope
Tous les documents qu'il m'a fournis, les mails qu'il m'a envoyés étaient utiles et pertinents et m'ont permis de décrocher ma certification. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Ce qu'on veut pas, c'est des gens qui n'obtiennent pas de résultats. Et si aujourd'hui vous dites, oui, mais moi, j'ai jamais obtenu Calliope avant, c'est tout le monde a un départ, en fait. Par exemple, comme on a obtenu Calliope du studio d'audio Licorne Rouge, et pour lui, c'était son premier Calliope, c'était un vrai défi, il n'y connaissait rien, et pourtant, on lui a obtenu, ok? Et même en partant de zéro, au niveau de la connaissance. Alors, si vous dites, ok, d'accord, c'est bien en partant de zéro, mais moi, dans mon domaine, j'ai plein de personnes autour de moi qui n'ont pas réussi à obtenir Calliope, qui n'ont pas réussi à obtenir le numéro de déclaration d'activité. Pour moi, dans mon domaine, ça ne marche pas. Alors ça, c'est faux. J'ai sollicité, comme le dit ici Christelle, j'ai sollicité Léandro pour m'aider à obtenir le fameux Calliope pour mon activité de bilan de compétences. Elle avait plein d'autres personnes autour d'elle qui n'arrivaient pas, à obtenir Calliope, qui n'arrivaient même pas à arriver sur Edoff parce que, ben voilà, il y a tout un tas de dossiers à monter. Il y a plusieurs choses et on l'a obtenu, en fait. Alors là, je vous prends Christelle pour le bilan de compétences. C'est un truc, un témoignage qu'on avait sous la main, mais il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a pas d'activité qui ne soit pas possible. C'est pas parce que autour de vous, des gens ont échoué que ça va être votre cas. Et ça, c'est très important à savoir. Alors, si aujourd'hui, vous avez peur de vous faire avoir, on est quand même l'organisation de formation avec le plus de témoignages sur Internet aujourd'hui, le plus visible. Comme l'a dit Sylvie, je remercie Leandro, on peut avoir peur à une arnaque quand on s'aventure dans ce type de démarche qu'on n'a jamais réalisé, voyez. Et pourtant, il s'agit d'une réelle équipe derrière. Alors oui, mon équipe, elle est basée à Rennes, en Bretagne. Il y a un réel suivi, tout est bien expliqué, tout est très carré. On a des documents, on a des vidéos, on a des rendez-vous, on fait tout pour que vous compreniez au maximum. Et on vous lâche pas jusqu'au bout, on vous relance, voilà, on est là, on soutient tout le temps. Et si vous dites que vous n'avez pas assez de temps, ben ok. Voici ce que dit HB Perf. Efficace, réactif, professionnel. Et en gros, son équipe ont toujours été disponibles pour répondre à mes questions. J'ai pu observer une équipe professionnelle d'expérimenter. Un grand merci à la qualité de l'accompagnement. On s'adapte à votre manière de faire. Et si vous avez peur de travailler avec quelqu'un à distance, sachez que vous allez voir. C'est pas parce que vous êtes, par exemple, au Luxembourg et moi, en Bretagne, que c'est pas possible. Comme on a vu avec Alexis, et c'est accompagnement structuré, structurant, certifiant Calliope validé, je recommande. Tout a été fait et pour vous emmener à la certification sereinement. Le Calliope et le numéro de déclaration d'activité ne nécessitent pas à ce qu'on se déplace chez vous. Et donc, ça peut vous apporter du confort dans la prestation parce que vous ne voyez pas un consultant qui vient tout le temps vous voir. Vous n'allez pas vous déplacer dans des bureaux tout le temps pour vérifier des documents. Non, tout peut se faire à distance et ça pose aucun problème. Et si vous avez déjà essayé d'obtenir Calliope, si vous avez déjà essayé de le faire vous-même et que vous avez eu un refus, eh bien, c'est des choses qu'on a déjà eu l'occasion de voir aussi. Par exemple, Christine, j'y croyais plus. Franchement, j'y croyais plus. NDA a refusé 2 fois. Et grâce à l'accompagnement de formateur pro, NDA en 14 jours. Et 14 jours après Calliope. J'avoue, j'ai bossé, j'ai tenté, c'est gagné. Alors, voilà, ceux qui existent, c'est pas une blague, vous pouvez le faire, je recommande. C'est pas parce que vous avez raté de votre côté ou que des gens autour de vous ont essayé par eux-mêmes ou ont essayé avec d'autres personnes qu'ils ont raté, que c'est pas possible de l'avoir. Il y a un processus, il y a des documents, il y a des méthodes à appliquer et on les maîtrise parfaitement. Et si vous ne savez pas par où commencer, eh ben on sait exactement où le faire. On a travaillé pour des très petites boîtes, comme des très grosses boîtes, comme Ubicité, hein, qui est un très très gros groupe, troisième groupe national en termes de développement de fibre optique. Le travail de vulgarisation qu'effectue Leandro concernant la formation professionnelle et la certification Calliope nous a convaincus pour faire appel à ses services. On a eu le droit à une équipe réactive et très bons conseils. On est vraiment présent. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir aujourd'hui sur ce qu'est le NDA. Vous n'avez pas besoin de tout savoir sur le financement de formation, sur Calliope, etc. C'est nous qui vous apportons tout ça. C'est ça à quoi va servir l'appel. Ça va vous permettre de clarifier ce qu'il faut faire ensuite, ce qu'il faut faire et mettre en place. Très important. Et sachez que la définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore et d'attendre des résultats différents. Le but pour nous, c'est de faire les choses, on fait les choses différemment, on fait les choses comme vous ne l'avez pas fait, ou comme les autres qui vous ont aidé ne l'ont pas fait, pour obtenir le résultat que vous n'avez pas obtenu. Très important. Donc, passez à l'action dès maintenant, cliquez sur le lien que je vais vous mettre ici. Vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant, et si vous avez des questions qui vous posent
qui vous bloque et qui vous empêche de prendre rendez-vous, qui vous empêche de vous lancer dans la démarche, que vous allez lancer la démarche vous-même et que vous êtes bloqué, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Hop. Donc, j'avais vu Christine qui avait demandé pour un bilan de compétences avec un NDA en attente de Calliope, peut-on avoir accès aux OPCO? Alors non, Christine, pour les financements... Ah, attendez, j'avais mal lu, Christine. Pour un bilan de compétences avec un NDA, donc vous avez un NDA, mais vous n'avez pas le Calliope, si vous avez lancé la démarche Calliope... Alors, très important, subtil, Christine. Si vous avez lancé la démarche Calliope, mais que vous l'avez pas encore obtenue, mais que vous avez payé, que vous avez la preuve qu'il y a un audit qui va arriver, eh bien, vous pouvez déjà lancer les demandes de financement. C'est vrai que j'avais pas bien lu la tournure de phrase. Vous pouvez déjà lancer les demandes de financement aux OPCO. Les OPCO vont vous demander la preuve que votre Calliope est en cours. Très important. Et donc, vous apporterez votre facture, la date de l'audit, etc. Et ça marchera. Voilà. Thierry, comment financer la VAE si on vise le diplôme de licence pro ou le diplôme d'ingénieur? Merci. Thierry, je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que si c'est pour vous, pour vendre des formats de la VAE ou si c'est pour acheter de la VAE? Alors, si c'est pour acheter de la VAE, Thierry, vous n'êtes pas du tout dans le bon endroit. Ce qui m'intéresse, c'est le financement, que ce soit pour une formation et pour les diplômes. Alors, précisez-moi, Thierry, si c'est pour vendre de la VAE ou si c'est pour en acheter. Tac. Marie-Émilie, y aura-t-il un replay? Alors oui, on va mettre un replay sur YouTube. On va mettre un replay à disposition pour que vous puissiez revenir revoir la vidéo. Hop. Est-ce qu'il faut toujours fournir au client une convention ou un contrat afin qu'il donne à son OPCO en amont? Oui, Seb, c'est très important et obligatoire. Il faut absolument donner la convention ou le contrat à votre client et qu'il la signe avant. Faites gaffe au timing des choses. Vous voyez, alors je vous remontre juste, mais là, il y a un timing à respecter, il y a un ordre des documents. Vous envoyez ces documents dans cet ordre-là et ça va bien se passer. Vous ne respectez pas l'ordre, c'est là où les choses vont devenir plus compliquées. Hop. Est-ce qu'il faut fondre? Donc voilà. Ou est-ce que c'est juste pour certains OPCO et que donc la plaquette de vente programme suffit? Non. En fait, la plaquette de vente et le programme sont là pour vous respecter votre obligation, si jamais vous n'avez pas de site internet, d'informations précontractuelles. Et ça, cette obligation, elle est notée dans la loi. Si vous ne faites pas cette information précontractuelle, précontractuelle, ça veut dire avant le contrat, c'est-à-dire en dehors du contrat, eh bien, on peut vous retirer votre NDA. C'est pour ça. Donc la plaquette, elle est importante pour ça. Voilà. Christine, on pourrait avoir le document. Alors le document que j'ai affiché, utilisation de remise des documents, c'est un document qu'on utilise avec nos clients. Je peux pas là tout de suite vous promettre de pouvoir le transmettre uniquement parce que ça demande à ce que techniquement on mette quelqu'un dessus et le mette en lien de téléchargement, etc. Je vais voir si on peut le faire ou pas, mais c'est pas prévu, Christine. Désolé. À la base, Noël, grâce à la formation d'Andreu, service, j'ai obtenu Calliope. Depuis, j'ai des supports clairs pour renouveler et ce du premier coup à chaque audit. Eh ben merci Noël, bienvenue. On se connaît, donc il y a pas de souci. Seb, merci d'avoir été présent également. J'ai déjà 5 demandes de financement pour rentrer en formation. La vache, Seb, t'as obtenu ton Calliope il y a très peu de temps. Ça va très très vite. Aïssa, bonjour. Si on a obtenu un premier contrat en tant que formateur, que déclarer à l'adresse? Alors, Aïssa, c'est une très bonne question, très sensée. Alors, on va tout simplement, hop. Alors, je vais vous donner je vais vous donner le chemin facile, mais non, c'est pas le chemin facile. Je vais vous donner, en tout cas, ce que la DRET, vous tapez DRET formation, et vous tomberez forcément, déclarer mon activité de formation, voyez. Et il y a un guide ici qui vous dit qu'est-ce qu'ils ont besoin. Le problème de ce guide, c'est qu'il est très sommaire, et il y a une autre page qui vous dit aussi, comment le créer, donc ils vous disent ce qu'ils ont besoin, donc voilà, les documents qu'ils ont besoin, et ce qu'il faut faire. Et ils vous donnent des exemples de documents. Alors, j'ai tout mon respect pour les personnes de la DRET, c'est le travail qu'ils font, parce que c'est pas évident de travailler là-bas pour eux. Mais vous pouvez totalement prendre leurs documents et les corriger, parce qu'ils sont pas tous à jour. Et ça, c'est très important. Et après, ben voilà. Ça va paraître que des documents, mais en vérité, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de choses que ça. C'est pas aussi facile
de faire le NDA qu'on pourrait le croire. Alors, ça dépend. Ça se trouve, vous avez une formation qui est très connue dans un domaine très simple. Par exemple, vous faites des formations management, vous avez des diplômes, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes carré, vous faites la demande tout seul, vous y arriverez. Mais en fait, si vous ne maîtrisez pas les codes, les tournures de phrases qu'il faut dire, il faut faire gaffe au nom de vos chapitres, au nom de vos titres, à tous vos titres, à la manière dont vous nommez les objectifs, etc. Tout ça, c'est très important. Alors, peut-être que vous êtes que c'est inné, que c'est facile pour vous, puis il y a des gens pour qui c'est compliqué. Christine, audit Calliope à distance, est-ce légal? Alors oui, sur le principe. Alors je ne sais pas quel point précisément vous pointez, Christine, parce que l'audit à distance, de tous les cas, si vous faites le premier audit en présentiel, le second est à distance et c'est donc preuve que c'est légal. Ensuite, l'audit, passer l'audit à distance, c'est-à-dire vous-même être dans une pièce, l'auditeur avec vous. Et nous vous conseiller à distance, c'est totalement possible. Tout comme pouvoir nous accueillir l'auditeur chez nous avec vous, et bien pas dans vos locaux, c'est totalement possible aussi. Enfin, il y a tellement de configurations de Calliope possibles, de Christine, il y a rien qui est illégal sur le passage de l'audit. Alors après, le certificateur avec qui on travaille ou d'autres certificateurs avec qui on travaille ou d'autres certificateurs avec qui vous pourrez travailler ont leurs propres conditions de passage et les règles qu'ils imposent. Il y a des règles de passage d'audit, dans tous les cas, qu'il faut respecter. Donc, le but pour nous, c'est de trouver le bon cadre qui soit le plus optimisé pour vous. N'oubliez pas, on parle d'optimisation. Adèle, est-il possible de devenir nous-mêmes certificateur et comment faire? Ada, si on parle de certificateur RS-RNCP sur France Compétences, oui, vous pouvez vous-même devenir certificateur. Vous pouvez, entre guillemets, avoir vous-même, déposer vous-même ce brevet sur un sujet. En fait, c'est un dossier à monter qui se transmet à France Compétences et qui prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps parce que c'est beaucoup de choses à mettre dedans, d'analyse, etc. Donc oui, c'est possible, vous pouvez le faire. Donc si jamais vous avez des questions, vous, que vous n'avez pas eu le temps de poser et que vous avez besoin d'échanger avec nous, d'échanger avec mon équipe, n'hésitez pas du coup à prendre rendez-vous directement avec le lien. Et puis, on sera là pour répondre à toutes vos questions également, à celles que j'ai pas répondues et qui vous permettront de vous débloquer pour lancer votre Calliope. En tout cas, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Profitez-en. On est le milieu d'après-midi. Vous allez voir, il va se passer des trucs encore géniaux pour vous aujourd'hui. Question Christine, l'auditeur et moi, chacun sur son site. Alors non, ça, c'est pas possible. Par contre, sur ce point-là, Christine, sur cette manière de faire-là, pour l'audit initial, les audits suivants, vous pourrez le faire, mais l'audit initial, c'est pas possible. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Amusez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain live.